On applaudit, hein, on applaudit. À prester dans ce sens. Omar de Founsou. Omar de Founsou. Le mari de quelqu'un. Le mari de la maman. Oh, Mara. Est-ce que ça va? Yes. Oh, c'est un honneur de jouer devant mon fils. Non, je vous assure qu'au quartier ce matin, lorsque je leur ai dit que je vais jouer devant lui, si je vous dis ce que les gens du quartier m'ont dit de lui dire, ils ont dit, faut dire à Ali que nous, on a compris que, on pense que, il fait que. Non, tu as pris des mesures. Toutes les mesures sont bonnes, mais il y a une mesure qui a choqué les Gabonais. La fermeture des bars à 22h. Yeah, non. Je vous assure, dans les quartiers chauds de Libreville, quand les gens sont déjà bourrés, tu entends souvent, Ali, il est fou. Comment? Nous sommes vampires de basse même pour son père, quoi. Son père, pendant 40 ans, on a bu fatigué, lui-même, pas 5 ans. Et là où il a cassé Rio, nous, quand on fait les grèves, on casse encore, quoi. Non, il a vraiment une vision émergente. Je vous assure. Mais je profite de l'occasion de mon discours pour vous dire un petit mot. Parce qu'à l'époque, on appelait le PDG parti de masse populaire. Mais depuis un temps, c'est le parti de masse électrique. Il y a les tensions partout. Qu'est-ce qui se passe? Hey, mon ami m'a demandé de gérer le parti. Si vous faites le désordre, ce n'est plus bien. Il faut vous rappeler, je voudrais de m'inspirer de Madame Rose Francis Rogombe, si elle est là. Lors de la transition, elle nous avait parlé des 3 C. La constitution, le consensus et la corsetation, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Donc, le Gabon avait vécu la transition sous l'ère de la lettre C, n'est-ce pas? Parce qu'à cette période, les gens, il y avait trop de cafouillage. La lettre, on ne savait plus qui était qui, dans quel camp. La lettre, ceux qui ont géré avec le vieux ont changé de côté. La lettre, ils ne voulaient plus être comptables. La lettre, heureusement, Madame Rogombe a réuni tout le PDG avec tous ses caciques. La lettre, à l'issue de la concertation, la lettre, Ali a été choisi. La lettre, certains ont piqué une colère. Continuez. On nous avait même rapporté que le pauvre Faustin Boukoubi avait reçu une claque. Bon, enfin, ça reste à confirmer. Alors, pendant la campagne, certains nous ont dit que par rapport à la fraude, ils ont apporté les clés. Mais alors qu'ils étaient les premiers à contester, Dieu merci, le pays est revenu au calme. Mais à tous les PDG, je veux donner un petit conseil. Les jeunes, les vieux ne sont pas à chasser. Les vieux, laissez aussi aux jeunes la chance. Alors, je voudrais... Oui, parce que c'est sur vous tous que lui, il repose sa confiance. Et je ne voudrais pas dire comme je voudrais dire comme tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on abuse de sa confiance. Parce qu'il y a certains parmi vous qu'on connaît. Ok, bien. À l'endroit du distingué camarade aussi, j'ai un grand nombre de conseils. Ce que je souhaite, c'est que tu continues à être courageux, compétent, charismatique. Tout le peuple gabonais sait que tu es un homme de confiance. Parce qu'on sait que c'est un homme crédible, un homme de culture. S'il peut continuer à résoudre le problème de la corruption, du chômage, continuer à maintenir le pays dans le calme, la cohésion, la cohabitation, dans la concorde. Parce que tu nous as promis un avenir en confiance. Même si dans certains journaux, certains racontent que l'avenir n'est plus en confiance. Mais nous, nous savons qu'il est bel et bien capable de construire. Puisqu'il a déjà commencé à tout casser. Et
Il a apporté beaucoup de changements. Oui. Et même lui-même, il a changé. Oui. Il a changé de coiffure. Oui. Et ça le rend encore de plus en plus classe. Oui. Alors je voudrais quand même lui serrer la main. Le peuple est derrière lui, le peuple est derrière moi, le peuple est derrière tout le Gabon. Je vous souhaite un agréable congrès. C'est. Merci beaucoup. Ça, c'est mon ex. C'est mon ex.